Pourquoi il est rendu là, lui? Voilà. Yipiti chat, il descend ici. Mon truc d'alerte, il est où? Il est là. Bah, en sachant que l'autre fois, on a été on a fait les deux premiers chapitres en entier en même pas 3 heures de stream. Quand je regarde mes replays, bah à peu près 1 heure et demie par replay, donc 3 heures. Donc franchement, ça va. Hein. Ce chapitre-là, et on sera à la moitié, je dirais. Ouais. Oui, mais justement, faut faire le troisième pour être à la moitié, et puis voilà. On était en normal. Ouais, sur invitation, c'est mieux quand même. Nope. Je pense qu'on sait tous les deux que ça va mal finir si on active ça. Faut que tu passes par l'interface Steam, normalement. Shift Tab dans la liste d'amis et tu peux m'inviter, normalement. Oui. Ah, Steam est encore à peu près bien fait. Oui, Monsieur Corot le gymnaste. Et oublie pas, c'est moi la grognasse. Oui, j'étais la connasse. Ah ouais, pourquoi j'ai autant d'armes sur moi? Oula! J'ai un de ces bordels dans mon inventaire, qu'est-ce que je fous avec un lance-roquette? Ça. Le snipe, ça dégage. Attends, qu'est-ce que je fous avec deux magnums? Parce que j'ai le M29, là, le magnum à l'ancienne. Mais j'ai aussi le M500, le magnum dans le même style que celui des R2. Qu'est-ce que ça fout là? Bah oui. Hop, hop, et on va quand même. Magnum, on va essayer de garder juste un chargeur. Grenade, j'ai quoi? Nice. T'as pris quoi comme case du coup? Ok. Ouais, tu fais un truc classique quoi. Putain, par contre, c'est la dèche niveau munitions. Bah toi encore, t'as quelques balles en stock, mais moi en fait, bah à part des balles de magnum, de sniper et quelques grenades en stock, j'ai rien. Je vais juste prendre les grenades de côté. Bah le gilet de combat et la matraque électrique, je les ai déjà. Alors attends. Organiser juste que je regarde. Améliorer. Ah non, mon pistolet, il est déjà amélioré à fond. Donc voilà. Hop. Ah, c'était. Non, tu fais prêt? Oui, ça nous fait quitter le truc entre les chapitres, quoi. Ouais.
Non, je suis en train de voir que l'audio de mon bureau est pas pick-up, moi, par contre. J'ai juste Alt-Tab. J'avais dit shooter à quitter la partie. Ah bon? I Je met suis him again toujours là, at je the suis en Raccoon City. cinématique. He was down in Rockford Island. Ah, parfait, bon. Since then, we've been trying to track him down. L'autre a arrêté la partie a été suspendue. Mais merde! Putain, ça veut Dommage. dire que mon jeu est enfenêtré, enfin est considéré enfenêtré, mais j'ai même pas le droit de cliquer hors de la fenêtre. Ah merde. C'est pas grave. Attends. Parle un coup pour voir. Bonjour. Oui, non, c'était pour être sûr que OBS prenait bien le son de Discord aussi. Donc c'est bon. Ok, mais pourquoi t'as disparu là? Sur Steam? Tu joues au jeu là, tu joues plus? Ouais, toi, je suis déconnecté sur Steam. Ah, c'est bon. Ça m'a fait ça aussi, moi, il y a 2 secondes. Non, c'est bon, je suis revenu. Ça m'avait déconnecté des amis sur Steam, je sais pas pourquoi. Pas non plus. Par contre, j'aimerais bien t'inviter à jouer, mais on peut pas. Peux pas me réinviter? Non. Je fais la même chose que tantôt, et t'es pas là. Je referme mon jeu, je vais rouvrir. Je vais relancer. Tu me dis quand tu auras créé la partie, de toute façon, au pire, je devrais pouvoir te trouver avec la recherche. Yeah. Toute une histoire juste pour lancer un putain de jeu. Oui, mais c'est con. Baisser un peu le son. C'est bon, je peux t'inviter maintenant. Alors attends, je vais juste passer là, là, et je vais te remonter un peu pour moi. Là. Là. Ça devrait être bon. Voilà. Bah, mon inventaire est déjà prêt. Pas moi. Voilà. Oui, non, je vais pas mettre prêt parce que ça va mettre un décompte sinon. Mais je comprends pas la dernière fois qu'on avait fait ça en stream, là, j'avais plus Alt-Tab et tout pendant le jeu. C'est trop bizarre. Un jeu brisé là de base. C'est peut-être juste en cinématique que ça bug alors. Peut-être bien, mais Et de toute à chaque fois. façon, tu préfères jouer à une version à moitié cassée mais qui est à peu près belle à regarder ou une version comme la Switch? La Switch, elle est incroyable, alors arrête tout de maintenant. Hein, on en parle de la version du 4 et du 5 de la Switch, s'il te plaît. Sont si pires que ça? Elles sont dégueulasses! Oh bon? Le jeu, il tient même pas la 720p sur ta console. Au bout d'un moment, faut pas se foutre de la gueule du monde. C'est vrai. En fait, je pense juste que c'est Capcom qui s'est pas optimisé un jeu. Ah non, là c'est pas Capcom le problème, c'est la console. C'est la console qui manque de puissance. Tu peux pas optimiser au-delà d'un certain point. Non mais Resident Evil a pas besoin de tant de performance maintenant.
Bah oui, ça a pas besoin de tant de performance que ça, puisque quand tu regardes le 5 et le 5 sur 360 qui tournait plutôt bien à l'époque. C'est plus que c'était. Hein. Eh ouais. Il n'y a pas Capcom qui s'était détaché de Resident Evil 5 ici, ce me semble. Bah là, le portage sur Switch, je sais même plus par qui il a été fait. Parce que je crois pas que c'est Capcom qui s'en est occupé en interne. Mais non, mais je crois que Capcom avait dit genre, oui, on a compris que c'était de la merde. Bah oui, ils ont reconnu de toute façon que c'était pas la bonne direction que la série aurait dû prendre, et c'est pour ça qu'ils ont sorti R2 Remake au bout d'un moment. Ouais, R2 Remake et R7. On venait un peu plus. Il y a le 7 qui a été vraiment le début de ça, on va dire. Ah, même avant le 7, t'as eu les deux révélations qui ont servi de test aussi. Ensuite, t'as le 7 qui est sorti. T'as le remake du 2 là, t'as le remake du 3 qui arrive. On va sûrement voir un remake de Code Veronica au bout d'un moment. Oh oui, oh oui, s'il te plaît. Je veux Code Veronica, je veux. J'aimerais ça en crise parce que je l'ai pas fait. Je l'ai, mais je l'ai pas encore joué. Franchement, faudrait que tu joues à l'original quand même. Je l'ai. J'ai rempli ma PS2 et tout, je pourrais jouer très loin sur le. Mais là, je veux faire Resident Evil 3 avant de faire le remake, alors je vais le torcher. Tu vois, ce soir, je vais jouer à ça après avoir fini notre session. Je vais aller jouer à ça sur le Raspberry Pi. Ok. Resident Evil 3. Pourquoi tu joues sur la Raspberry Pi en fait? Pour pouvoir le mettre sur ma télé. Ouais, j'avoue. Pas besoin de transporter mon PC et tout. Bah, je sais pas, après, vu que tu dois avoir un bon réseau local chez toi, tu peux pas streamer ton PC sur ta télé? J'y ai jamais pensé d'ailleurs. Mais j'ai pas une télé smart. Mais tu le fais par la Raspberry Pi. Oh, ça pourrait être possible ça. Y a pas mal de trucs qui permettent de le faire hein, en plus maintenant. Ah ben mais on verra. Mais là je vais surtout. Je vais mettre Retropie et je vais jouer. Ouais, c'est pas mal aussi. Hein. Ça tourne bien. Alors. T'es la meuf? Oui, je suis la madame. Ah merde, c'est vrai, ma manette elle est plus. Fait pour. Les premiers morceaux du machin. Que je me souvienne des touches. Hey, c'est vrai que toi tu joues au clavier. Mais je joue manette, mais là je peux pas, ça marche pas. Puis il faudrait que je fasse Alt-Tab, mais j'ai peur. Attends, ça c'est quoi? Attends, tiens. Je vais faire Alt-Tab. Vas-y. T'es encore là? Ouais, c'est bon, ça t'a pas d'écho. Ce que je vais faire, c'est je vais te filer les munitions de mitrailleuse. Ah, parce que j'ai mis mon jeu en fenêtré, c'est pour ça, je crois. Bah, mon jeu est en fenêtré, moi. Enfin, fenêtré avec Borderless Gaming, quoi. Ouais, non, mais moi, il est fenêtré directement sur le jeu, je crois. Putain, c'est vrai que par contre, j'aurais dû essayer de regarder s'il n'y avait pas moyen d'agrandir un peu le FOV. Parce que c'est vrai que le FOV de ce jeu, à l'origine, il est dégueulasse. Controller connected. Elle est connectée ou pas, putain de merde là. Moi je sais pas, j'ai jamais eu de soucis à faire pick up la manette sur le jeu en tout cas. Mais je me mets PS4 moi. Ah, t'as activé le truc de détection de manette PS dans Steam? Non mais ce que je fais c'est que moi je fais une simulation, ça fait que c'est comme si c'était une manette d'Xbox 360. Oui bah comme moi mon ancien driver pour la manette de PS3 quoi. Allez. Ok, donc on doit aller où là? C'est bloqué ici. Tiens, viens. Désolé. Alors, c'est quoi les touches? Voilà, c'est comme ça. Par contre, attends. Voilà, la map. On va aller faire par là en premier.
Même si, attends, non, faut aller sur les points qui clignotent d'abord, je crois. Parce que sinon, les autres zones sont pas actives. Tant qu'on n'a pas fait dans l'ordre. Du coup, t'as hâte de voir la PS5? Bof, bon, franchement, la PS5. Franchement, si ça se concrétise et qu'il y a vraiment la full rétrocompatibilité comme Sony Ah avait oui. commencé à annoncer, je suis preneur. Mais s'il n'y a pas ça, franchement, je crois que je vais en avoir rien à foutre. C'est vrai, Sam. C'est ça qu'il fallait? Yep, parce que là, du coup, c'est là où on devra venir poser les morceaux qu'on a ramassés tout à l'heure. Merde, moi qui conduis là. Ouais, c'est les gâchettes, hein. Putain, par contre, ce jeu, la version PC, elle est bien faite sur un truc. C'est vu qu'elle a moyen de monter au-dessus du 60 frames, bah là je suis en 75 et ça tourne tellement bien. C'est tellement. Le jeu, il est tellement fluide en fait. Voilà ici. J'ai jamais vu autant de cinématiques dans un Resident Evil. Hop. Mais qu'est-ce? Ah, je veux ton argent. C'est X, tous les boutons pour tout faire. Bah ouais. Alors. Les petits bijoux. Un poulet. Ah, des munitions de pompe. La fin, c'est que comment on fait pour viser dans le jeu? Les gâchettes. Et je tire avec X. Non, tu vises avec LT et tu tires avec RT, quoi. Enfin, toi, c'est L2, R2. Alors moi c'est X pour tirer. Ah bon? C'est quoi ce mappage bizarre? Ou je vais aller arranger ça en fait. Non, parce que de base, c'est réglé sur les gâchettes, quoi. Type de commande type A, non, type B, oui. Ah, c'est peut-être pour ça. C'était réglé en Resident Evil, enfin comme un peu comme dans le 4 quoi. Ah oui, là ça fait du bien par contre, là c'est bien. Par contre, je me dis, va falloir faire gaffe quand même, parce qu'on a quoi? Toi, t'as deux heals, moi j'en ai pas. Attends, on va d'abord faire le tour et tout ramasser, de toute Bah, façon, essayez, faut pas. avant de trigger les machins là. Meuf, ici, il y a des balles. Il y a des balles. Pistolet. Oui. Merci. C'est gentil. Moi je suis fou là. Hein. Vous allez un peu. Bon bah hop. Y a rien d'autre. Une fois que je vais avoir récupéré le machin, ça va trigger les mecs de la zone. C'est en cours. Bah tu vas m'aider à monter au deuxième, il y a un trésor. T'inquiète. Oh putain, y'a toute ma famille qui se ramène. C'est quoi? Est-ce que c'est comme dans le 4? De quoi? Est-ce que c'est comme dans le 4? Tu tires dans la tête et après tu peux donner des coups? Normalement, ouais, ça les stun. Ok, bah ça va être simple. Attends, lui, il a fait quoi là? Il a Voilà, bougé. lui il est content d'être venu, il s'est pris des balles de pompe. Ah, et eux ils sont bloqués là, ils sont cons. Tiens, aide-moi à monter vite fait à la deuxième échelle du coup. J'arrive. Putain, mais moi je suis en bas, Voilà. il en bat les coups dans moi. T'es où? Ah.
Ils ont des Plagas, putain, what the fuck? Ils ont des Plagas dans ce jeu? Bah oui, puisque le Ouroboros c'est un dérivé des Plagas, je te rappelle. Je m'en souvenais pas, mais. Je peux là encore. Comment on fait pour recharger? Tu vises et t'appuies sur A. C'est plutôt simple, c'est juste speed. Mais leur tête explose tellement facilement dans ce jeu. Il y a une balle dans la tête, what the fuck. Ah, on est en normal après, on n'est pas en nightmare. Et heureusement qu'on n'est pas en plus haute difficulté. Je te crois, t'inquiète. On a réussi. Parce qu'après je me dis en regardant dans une des zones là, je sais que c'est dans cette zone qu'on récupère le magnum normalement. Oh. dans une des zones, donc je te le laisserai vu que moi j'en ai déjà un. On doit aller où là? Bah la petite croix en bas là sur la droite. Sale bâtard. Putain, mais c'est son. Ouais, pas toujours, hein. De quoi? Ils sont pas gentils. Non, tu crois? Ah oui, tiens, c'est les crocs. Il y a les crocos par ici. Ah oui! Est-ce qu'ils vont vite? Tu peux les outrun hein, normalement. Ok, ok, c'est simple. Bon, monte par contre. Oh mec, il y a plein de gens ici. Je sais pas pourquoi je me retrouvais avec pas beaucoup de vie. Je crois qu'on avait dû faire de la merde dans le chapitre d'avant quand même. Hein. Non. Peut-être. C'est même sûr. Nous connaissant de toute façon. Voilà. Y'a personne. C'est vrai qu'il n'y a eu pas beaucoup de monde dans cette zone par contre. Il y a son père. Mais je crois que c'est eux, on va dire. Et quand j'avais regardé des speedruns qui faisaient le jeu en difficile, c'est le plus rageant cette zone parce que les crocodiles te one-shot en difficile. Ah. On s'est même pas fait toucher par un. Tu veux conduire ou pas? Bah, vas-y. Par là. Là, l'entrée. Tu vois, franchement, pour vu qu'on est sur PC, j'y aurais bien joué, clavier souris aussi. Mais le seul truc, c'est que le jeu est tellement mal foutu au niveau des contrôles. Ah oui, absolument. Bah, tu l'avais vu, toi, l'autre fois. Ouais, je l'ai vu à 2 secondes aussi avant que je chute sur la manette. Alors, hop.
que voilà, faut faire tout le tour ici. Bon, plus de gens ici, quelque chose me dit. Bah normalement c'est la dernière zone donc ouais. C'est bien ça. Merde. T'as activé un truc? À skip. Bon bah attends, je récupère. Ça c'est un trésor. Nique sa mère, fils de pute. Ok, je me fais. C'était quoi ce cri? Les cris de désespoir, de la vie, de la mort. Bite. Ah ouais. Par contre, là, faut que je me casse. Très mal. Putain. Ouais bon, on va... Je crois qu'on va essayer de tracer et on va se casser. Mais je me fais encercler, mec. Pistolet tous les yeux. Ouais, ça va les prendre, pistolet. Ou ce que je suis. Ouais, je prends. Ok, je vais aller à la croix rouge vite. Je cours à la croix rouge. Bah oui, parce qu'on n'a pas ramassé le machin encore. Donc c'est à l'infini comme ça, sinon? Je sais plus si c'est à l'infini ou pas sur cette zone. T'as pris les munitions de pistolet que j'avais. Oui, je les ai prises, celles que t'as laissées par terre. Ok, on se casse. Non, je vérifie juste ici. Qu'est-ce qu'il a loot? Il a rien loot. Ça arrive. Oh oh. Attends, je sais même plus comment c'est censé se passer ici. Je crois que ça fait juste rouler, ça passe. Je crois pas, justement. Crois qu'il va falloir que tu descendes les mecs au moins. Quoi? Faut que tu tires sur les mecs. Ok. Je vais essayer de pas trop bouger, mais ça va être compliqué. Putain, mais c'est le truc le moins stable au monde, hein. Parce qu'il y a que toi qui peut, il y a que toi qui peut nous soigner en plus. Hein. Du coup, j'ai pas accès à l'inventaire. Il y en a qui sont morts là. What the fuck? Aïe. Putain, mais mec. Ton Hey, mais flash, c'est de la merde. je suis obligé de bouger, je te rappelle. Quoi? Il est pas tombé le rat? Ah, Il est lui, il mort, est... quoi. Oui, c'est bon, lui, il est mort. Il en reste un là. J'avais drette la mire un peu sur le mec. Oh, quoi? Ouais, voilà, c'était bien ça. Il est même pas mort? Non, lui il est même pas mort, mais les autres ça a compté que les autres étaient morts, donc ça a ouvert la porte. Ça c'est complètement débile par contre ici. C'est quoi ce truc? Je vous What roule the fuck? dessus.
Ah, et là on peut y aller. Ok, c'est quoi? Là on a tous les morceaux donc on peut aller à la porte. Mon cerveau ne comprend pas. C'est pas vrai, je suis pas mal en point. Moi non plus. Bon, toi ça va encore, t'es midlife. T'as l'air si intelligente. Ah, t'as vu ça? Et la tenue et les lunettes, ça fait tout. Tiens, reste là 2 secondes. Voilà. Merci Paul. Compte putain, c'est la. Quoi? J'aimerais. Bah, vous me laissez appuyer sur le bouton? Non. Le jeu qui m'affichait pas le bouton, justement, pour te suivre. Bon, si tu vois du pompe ou du pistolet en munitions, je suis preneur. Ah. Ouais, ah. Je crois qu'on est attendu. Ah. Oh, ah. Ah oui. Et voilà, c'est ici qu'il y a le. Tiens, viens sur la droite. Là. Tu passes les pics, là, et. Enfin, tu passes les trous dans le sol et t'as le. Magnum. Il y a avant toute la tribu, par contre, c'est très certain, ça. Oh putain. Ah merde, mais tu les fous à terre avant que je puisse les toucher. Ok, je coule en rond alors. Oh, mal. Il y a des balles de pistolet à côté de moi. Il y en a même en haut aussi avec les mecs. Voilà. On a plus de balles les deux par contre, hein. C'est la S. J'ai encore mon Magnum. Ici, il y a des balles de pistolet. Putain, le jeu qui te donne 5 balles, quoi. Ah, ça, c'est pour toi. Attends, lui, avec sa tête de lion, j'utilise le Magnum, par contre. Ah, mais putain! Je me casse. Voilà, ça nous a heal. Voilà, ça nous a heal tous les deux. Voilà. Ah merde. T'as fait quoi? Vont mourir un jour, c'est des putains de têtes de lion. Ah mais putain, mais ils sont chiants à éviter les. C'est même pas les balles là, c'est les, c'est carrément les grenades qu'ils évitent, cette bande de connards. Ah Plagas, je vais mourir. Putain, connard. J'en ai eu un là, de gros, du coup. Ok mec, c'est marde. Il y avait un Plagas, puis il y avait un mec, il y a un mec dans un mur là. Merci. Ça devrait se calmer un peu, ça devrait se calmer un poil, les gros sont morts. J'ai pas de heal donc ça va pas nous soigner. Hein. Donc on est dans la merde. J'envoie tantôt des heals mais putain.
Il est mort le Plagas? Des balles de pistolet. Des balles de pistolet, je vais prendre cela. Ouais, prends un peu aussi pour Pourquoi toi. moi ça m'en donne 10, toi ça m'en donne de 5 à chaque fois? Alors ça dépend des packs de munitions en fait, que ça nous en donne 10 ou plus. Alors, on va continuer à faire le tour tant qu'il n'y a plus d'ennemis. Hein. Ah! Sérieux? C'est bien de l'est, marde. Les pics. Il y a des pics, hein? Les pics, je savais pas qu'ils se levaient, moi. Là, je pensais pas que ceux-là, ils se relevaient, moi, tu vois. Je fais le tour derrière, puisqu'il y a des endroits qu'on n'a pas forcément fouillés. Quoi, le truc jaune sur la carte? Je crois que c'est l'endroit où est-ce qu'on doit aller. Ah, possiblement. Bon, si tu vois une herbe verte, hein, j'ai une rouge sur moi. Vous avez vu en bas, je sais pas si t'en avais vu toi aussi. Non, j'ai pas fait tous les bâtiments en bas du coup. Ah oui, faut que t'ailles. Tu vas faire la manivelle, je vais aller en bas. Non, parce que t'es low life. On va éviter de t'envoyer dans la gueule du loup quand même. Imagine ça avait fait relâcher alors que t'étais de Je crois que secours. tu, je crois que tu peux en plus. C'est ça le pire. Mais c'est surtout pour les méchants quand tu reviens, il va falloir que je le lâche, right? Attends, c'est alors, je fais en fait, tu viens de m'ouvrir la porte, hein, c'est ça, ok. Ouais, c'est moi qui fais le tour pour aller ouvrir la porte qui est à côté de toi. Ah, d'accord. J'ai trouvé un scarabée. Putain, c'est bon, c'est ouvert. Ça me dit pas que c'est ouvert, moi. Là, c'est ouvert. Ah bon. Ah, du heal. Oui. Fusée à pompe pour toi. T'as pas besoin de recharger le tien? Recharge le tien en full. Merde, je voulais pas prendre les balles de fusil à la base, mais c'est pas grave. Bah les balles, on a, aucun de nous deux a le snipe, donc autant les jeter. Ça nous servira pas à grand chose. Du coup, par là. Ah, attends. C'est-à-dire que là, c'est un cul-de-sac. Ah non, faut prendre ça. Non, la grotte. Ah oui, peut-être. Je veux aller voir, voilà. Un petit trésor. Parce que c'est con, mais je crois qu'il y a un succès où faut trouver tous les trésors du jeu. Ah merde. Mais je pense qu'on est. C'est pas tout de suite qu'on va se le faire, hein, celui-là. Absolument pas. Ben voilà, premier morceau du chapitre terminé. Précision 63, tu m'étonnes, je suis dans le bateau.
Oui, je pense que c'est tes tirs dans le bateau qui ont tout foiré, toi. Alors, organiser. On pose ça. On a des trésors à vendre. Hop. Est-ce que je vends tous mes trésors? Ouais, tu peux vendre tous les trésors. Ils servent à rien d'autre que se faire de la thune. En fait, j'ai déjà les trois quarts de mes armes qui sont améliorées à fond, moi. C'est trop bizarre, ça. Ah, je crois savoir pourquoi mes armes sont améliorées et pourquoi j'ai autant d'argent. J'avais fait le... Tu sais le bug que je t'avais parlé, là, le truc des œufs. Ouais. Je l'avais fait avec un autre pote à moi. Ah. Juste histoire d'amasser de la thune sur le jeu, en fait. Donc, et j'ai le maximum de thune possible sur le jeu. Ah. Juste ça? Bah j'ai 9... Attends, c'est combien? C'est 9 millions, je crois. 9 millions 9... 999 999. Voilà. Ah, ok. On a 50 000, moi. Mais ouais, mais c'est pour ça, je suis pas... Je crois que le Magnum que j'ai en rab, en fait, il sort mais des DLC que j'avais essayé de faire à un moment. Alors, par contre, il est où? Voilà, on va racheter des grenades un peu. Acheter un spray, ça peut toujours être utile aussi. Explosive organisée. Moi je Ah préfère. oui, c'est vrai que le lance-grenade dans ce Resident Evil là, c'est pas illimité. Tu peux charger jusqu'à 12 grenades dans le machin. Putain, t'as plus jamais. Prends 2 secondes. Ouais. Change mon téléphone cellulaire. Mais c'est long avant qu'il arrive, mon putain de truc. T'attends quoi? Mon truc d'un pour me la Raspberry Pi. Ah. Quoi, il est censé arriver quand? Censé arriver. Il était censé arriver à 4 h. On est 6 h 30. Bah oui, vu que toi t'habites dans une grande ville, t'as accès à la Ouais. livraison dans la journée. Quoi? Vu que toi t'habites en pleine ville, t'as accès à la livraison dans la journée. Ouais. Alors que moi, je suis obligé. Moi, c'est au minimum livraison dans la livraison le lendemain. Ah, mais non, mais moi j'ai commandé, ça fait un bail là, t'inquiète. J'ai commandé il y a 2 jours. Ok. Ouais, ça va, tu vois, avec les gra à la base, avec les grèves, on m'avait dit de faire attention, que je recevrais pas forcément mes colis à temps et tout. Aucun souci avec Amazon. Zéro souci, franchement. Toutes mes pièces de PC, elles sont arrivées dans les temps, tout. Pour aller. Ouais, je vais. Histoire d'en avoir un peu plus en rap quand même. Sniper, va les couilles. Ouais. Non, mais le sniper dans le jeu, quoi. Fuck? Ah oui, c'est le moment où on va pouvoir mourir instant si on fait pas gaffe, hein, avec le croco qu'on vient de voir justement. Ah! Il y a des trucs ici, mec.
Putain, et ça les one-shot même plus le con. Bloqué, j'arrive. Ouf. Et voilà, il relève le pont. Ah, merci d'avoir fait le boulot pour nous. Bah ouais, j'avoue. Mais je crois que justement, va falloir que t'ailles en fait sur la plateforme à l'autre bout et que moi j'active la manivelle qui est ici. Il faudrait d'abord nettoyer un peu la zone. Ouais, c'est ce que je fais là. C'est pas à l'infini, j'espère. Je crois pas. Il me semble qu'à un moment on est tranquille. Putain, je vais y mourir. Je crois que c'est surtout moi qui vais devoir faire gaffe. Hein. De mon côté, ça pourra continuer à arriver, mais du tien, non, normalement. Il y a une porte ici à ma droite. Bah, je crois que c'est justement ce qu'on va devoir débloquer après. Ah, ok. Bah non, toi, tu dois aller à droite... Attends. Non. Tu dois aller à gauche pour aller sur la plateforme, voilà. Tu restes sur la plateforme et moi j'active le machin. Mais fais gaffe, tu vas avoir des QTE pour éviter le croco. Ok, je suis prêt, nous sommes prêts. Et les putains de connards qui me snipe avec leurs flèches là. C'est bon. Première esquive. Réussi. Deuxième est réussi. Et tu vois, c'est bien le genre de truc qui est rageant, je pense, quand tu le fais en speedrun, ce jeu. Parce que c'est le truc où tu peux mourir instant. Ouais. Ouf. Allez, t'y es presque. Je peux y aller, voilà. J'y suis. Je remonte le pont. Nice, je te rejoins de l'autre côté. Ah bah non, du coup, on va pouvoir avancer. Voilà, juste avancer pour activer le point de contrôle. Ah bah la tienne. Désolé. J'espère que ça va me réveiller, ce que j'arrête de boire, parce que putain, je suis fatigué ça, mais... Tu bois quoi? Et une boisson énergisante. Oh. Mais de type bio, avec de l'énergie verte à l'intérieur, ok? D'accord. Je te laisse... Non, je vais prendre le spray, du coup. Ouais, prends-le, j'en ai déjà. Bah, c'est que dans tous les cas, on est full. On est tous les deux full sur l'inventaire. C'est vrai. Donc, Fusil à pompe, t'as combien de balles? Ça dépend. Toi, tu l'as pas encore amélioré à fond? Non. Je crois que le tien, c'est 12 balles maximum. Ouais, non, j'en ai 6 maximum. Oui, non, mais une fois amélioré. Écoutez, j'aimerais bien qu'on fasse aussi le mode multijoueur de Portal 2, si ça tente à m'amener.
J'avoue, tiens, ce serait pas mal. Parce que c'est vrai qu'en sur le solo de Portal 2, moi je me fais chier. Parce que le solo de Portal 2, je l'avais beaucoup aimé, puis je l'avais terminé même. Mais j'aimerais bien faire maintenant le mode multijoueur et je sais pas si je l'avais fait. Ah, par contre, on va arriver sur une phase chiante. Ah non. Si, c'est la phase avec les. Où va falloir aller activer des switches et tout, et il y a genre Ah, les Nintendo. deux mecs avec la tronçonneuse. Comment on change un clavier souris? Qu'est-ce que tu dis, toi? Merci. Ah. C'est des Asiatiques maintenant, mec, il y a des Asiatiques, ça fait peur. Je suis en haut là, il y a une manivelle ici. Si tu vois une genre de tyrolienne, tu la prends. Ah bah attends, non, la première, elle est là où je suis en fait. Je vais aller m'occuper de celle-là. Du coup, pour aller désactiver le machin. Oh, nique ta mère, toi, gros fils de roi. Ah putain, mais je suis full. Bon, j'utilise un spray sur ma tronche. Aucun problème. Je peux pas passer à côté des balles, j'en ai trop besoin. Maman. C'est là, c'est une fois que je vais avoir ouvert la porte ici, ça va faire spawn un mec à la tronçonneuse. Ah bon? Ouais, donc je vais m'occuper de la manivelle. J'ai une Voilà. manivelle moi aussi. C'est ça la manivelle. Mais il y en a une pour chaque truc de gaz. Ah merde. Je suis un peu loin pour t'aider là par contre. T'inquiète, t'inquiète, je me retire. Par contre, Là, il là, y a beaucoup de faut que j'arrive à. Bah, il aurait fallu que j'arrive à revenir jusqu'à là où t'étais. C'est obligatoire ce truc. Putain. Bah, yep, puisque c'est pour désactiver les trucs de. Par contre, je vais libérer de la place en fait. Hop. Les incapacitantes, on va les virer. Attends, passe-moi tes balles de pompe, s'il te plaît, vite fait. Juste, hop, combiné. Et voilà, je te les rends. Juste histoire de repartir avec un full truc. Ça va là. Ça, je le prends. Hop, et c'est bon. Et je me dis, bon, je vais pas aller faire le truc comme je venais de le faire. On va d'abord désactiver la. Enfin, faire la manivelle là qui est en hauteur à l'entrée. On va faire les choses dans l'ordre. Mais oui, mais. C'est quoi la chance que j'ai dans ce jeu, mec? Je leur marche dessus, ils aiment ça. Oh. Voilà. Ah, tu l'as fait toi déjà? J'ai fait celui qui était sur le côté, quoi. Mais merde, je me prends des flèches d'où? Toi, le connard, là-bas. J'arrive. Mais les Poli. putes. Non, mais le mec, il me. Le mec, il était en train de me stun en boucle. Bon, lui, il est mort. Connard. Là, bon. Hop. File à l'opposé de moi en diagonale, là où il y a un escalier à monter là-bas.
Là-bas, oui, ici, escalier à monter. Tu montes l'escalier là-bas, tu vas emprunter la tire. Non, pas là, justement. À l'autre côté? L'autre, en fait. Tu descends l'escalier, tu vas tout droit, tu vas à l'autre. Connard. Oui, il y a Mario, il m'a frappé, j'ai pas compris. Parce qu'on va activer les trucs quasiment tous les deux en même temps, comme ça va faire spawn les mecs, mais au pire on pourra les éviter les mecs à la tronçon. Parce qu'ils sont Ah, vrais. l'échelle, tu veux dire, right? Là tu montes les. Non, t'avais un escalier là-bas. Non. Ah, ici! Ah oui, non, mais c'est que je vois pas forcément bien de là où je suis. Ok. Voilà, tu vas emprunter la tyrolienne qui est de ton côté. Ta moto, je vais avoir des gros bras comme lui, mec. Avant que le mec me. Avant que l'autre me chope, faut que j'active le machin, voilà. Toi, t'actives ta manivelle dès que t'y es. Oh putain. J'ai eu trop de chance que la cinématique se déclenche quand le mec était devant moi. Non, sinon j'étais mort. Hop. Papa? Et du coup, normalement. Ah ouais? Et comment je fais pour survivre à ça, moi? Je sais pas comment j'ai fait, mais j'ai dodge le mec. Je Oui, non, regardais mais même pas. il est très chiant à dodge en plus. Mais je sais pas, je la regardais pas, j'ai toujours dans cette direction opposée, j'ai réussi. Bref, il faut aller où là? Tu reviens au centre en fait, là où il y avait Ok, les il faut trucs de centre. feu. On cherche pas à comprendre, on se casse. J'arrive, je suis là. On entend le mec et ça stresse. Allez, on se barre. Bon, on a réussi quand même plutôt bien. Ouais, non, mais le plus simple, c'est de gruger à cet endroit-là, de toute façon, quand tu sais ce qui s'y passe. Josh? Are you okay? Well, how did you get here? We were at the port when we were attacked. And then, I ended up here. Where's the rest of the team? Shit! It's just the three of us now. Why did you not retreat? I mean, we are no match for them. I've got unfinished business. The hard drive containing data on the BOW experiment had a picture inside. The picture was of Chris's friend. A friend? I'm not leaving until I catch Irving and find out what the hell's going on here. Let's save the chit-chat for later. Si seulement on visait aussi bien, nous aussi. Ouais, mais attends, c'est des agents du FBI surentraînés, mec. Ah, c'est le BSA, donc ouais. Ah merde. Et là, on a le temps à faire, c'est ça? Non, non, il n'y a pas de temps spécifique, c'est juste qu'il faut qu'on se casse. Mais d'où il m'a touché, lui, par contre? Tiens, voilà. Le mec a lance-roquettes et tout. Non, c'est pas le lance-roquette, c'est le lance-grenade. Mais normalement, le lance-grenade, tu l'as bien plus tard dans le jeu, donc j'avoue que c'est un peu pété. Dans l'extérieur, arrête.
sont sérieux là? Moi je gaspillerais pas mes balles. Hein. Bah du coup on a mis pas mal de balles de côté mine de rien là, surtout au niveau du pistolet. Attention! Attention, y'en a un qui s'en vient vers toi. Y'a un gros noir, il m'a frappé, mec. Ascenseur, vite! Le gros noir? Ok, mais le gros noir il m'a fait mal, hein. Lui il te fout des patates. Il m'a mis une patate, mon gars, j'ai volé. Merde, t'es où? Mais merde, je voulais pas. Voilà. Je voulais faire ça. Oh, un noir. Non, lui il est blanc, lui il est arabe. T'inquiète. C'est une coupe bélique. Heureusement que je m'attends pas à avoir de la monétisation. Non, parce qu'avec tes conneries, la monétisation, je pourrais lui dire adieu. Oups. Oui, non, mais je m'en fous, tu le sais. Moi, je t'ai pogné là, si. C'est tombé direct dessus. C'est moi, on a du décalage de ping. C'est peut-être vrai parce que moi, vu que je viens du Québec, on n'a pas le même ping, c'est vrai peut-être. Ouais, mais on a tous les deux une bonne connexion, mine de rien, maintenant. Ouais, mais moi, je trouve que ça lag pas, par contre. J'ai aucun bah, c'est lag. Juste par moment, je te vois rollback par moment, mais ça va encore. Ah. Mais mec, je vais monter en haut, ok, puis je vais toutes les contrer lorsqu'ils vont venir avec mon lance. Pas, je vais mettre une mine par terre. C'est bon ça. Allez. Ah, alors, j'ai vidé le lance-grenade, moi. Moi je suis intelligent, regarde. Je vais laisser une personne monter en pénis. Mais qui attends, je crois que c'est moi. Reviens en arrière, je vais nous heal. Attends, y a monsieur. Y'a fils de pute là, mec. Cours vers l'avant, cours vers l'avant. Arrête pas, cours vers l'avant, mec. Voilà. Heureusement que ça trigger la cinématique. Et ça dit pas. Oui, attends. Oh putain de merde. Mais non, c'est à cause de moi, mec, parce que j'avais mis une mine par terre. Oui, mais moi, du coup, j'ai utilisé mon pompe. Mais je pensais pas que la mine exploserait à... Enfin, je pensais pas que ce serait dans l'angle du pompe. Donc, quand il y a un zombie, t'es censé marcher dessus, elle a explosé, c'est ça? Bah ouais, c'est le zombie qui l'a... Non, c'est le zombie qui l'a trigger, pas nous. Après, c'est vrai que tu peux l'activer toi-même, aussi. En marchant dessus? Non, en tirant dessus. Ok, ok. Par contre, ce serait bien de nous mettre full life. En fait, je fais B pour donner? Non, tu fais X. Quand on est côte à côte, ça nous soigne tous les deux. Ouais. C'est quoi ce truc? Merde. On était là. Comment? Moi aussi, je suis capable, alors... Hein. En tout cas, je suis vraiment content là, d'avoir réussi à devenir champion 2, division 3. Oh, c'est cool, franchement. Peut-être qu'un jour, je vais réussir à être champion 3. Merde, là, c'est verrouillé. Ça
ce serait fou. Ouais, je sais plus quel côté faut faire en premier à la base. Je crois qu'il y a des trucs à récupérer vers là où j'étais parti. Il y a plein de trucs ici. Mais toi, là, le côté où t'es, c'est la zone pour la suite. Ah. Je vais attendre alors. Je vais aller. Bah oui, parce que si tu trigger, il y a plein de vilains monsieur qui vont spawn. Ah non, pas plein de vilains monsieur. Plein de noirs. Putain de merde. Mais c'est pas faux, dans Resident Evil 5, y'a que ça des noirs. Bah ouais, on n'y peut rien si c'est le jeu. Mais c'est pour ça que le jeu s'était fait taper dessus, de toute façon, à sa sortie. Ouais, parce qu'on tue des noirs. Ouais, ce jeu avait été donné comme raciste. Alors que tuer des blancs, par contre, non, c'est pas raciste. Bah, des blancs qui tuent des blancs, en quoi c'est raciste? Ok, et des noirs qui tuent des blancs? J'ai envie de dire, que peu importe le sens que c'est, généralement, c'est soit raciste, soit pas raciste. Mais je comprends pas le délire. Oh. Ok, lui, il est clairement autiste. Mais Irving, j'aime bien. Enfin, j'aime pas le personnage en lui-même, mais j'aime bien la folie qu'ils ont foutu dans ce perso. Parce que c'est vraiment juste un taré. Ah. La foire. Le Black Friday est ouvert. Tiens, ouais, voilà. Maintenant, faut retourner de l'autre côté, là où j'étais, pour aller au bateau. Voir notre pote. Ok, mec, on court. On trace sa mère. Ah, y'a un cadenas maintenant. C'est bon, j'ai... Ah, y'a un gros noir. Ah, y'avait une mine. Y'a un chien. Y'a moi qui cours, y'a toi qui pète les... Bah moi justement... Ah merde putain, j'ai pas vu le fil. Attends, quand est-ce qu'ils ont posé des mines, ces bandes de connards là? Arrête, ça a pris 4 secondes de mettre des mines, t'es ouf toi. Voilà. Bah non mais quand est-ce qu'ils ont trouvé le moment de les poser surtout? Capcom. Boum boum boum, alors ça fait des... Alors, ça fait bim bam boum. Oh ta gueule. J'ai entendu une fois cette musique et j'arrête pas d'entendre les gens la chanter, maintenant ça commence à me saouler. Mais c'est la musique, c'est le feu, mais qu'est-ce que tu dis Robert? Mais c'est de la merde cette musique. Ah oui, t'as raison. Faut arrêter de dire des bêtises monsieur là. Ah oui. Bien ouais, alors ouais, bien ouais, c'était incroyable. Alors putain, on est tous les deux au-dessus des 75% de précision. C'est parce qu'on est très bon. Enfin, j'avoue que moi, avec les grenades en même temps. En même temps. Ouais, les grenades, ça touche je sais pas combien d'ennemis à la fois. 29. Oh bah j'ai compté hein. Du coup. J'ai rien besoin de plus, c'est bien. Attends, je te donne une balle. Ah merci, t'es trop gentil. Refile-moi encore tes balles de pompe, s'il te plaît, je vais recharger mon machin. Désolé. Merde, je voulais pas les retirer, je voulais te les donner. Là. Qu'est-ce que j'ai fait avec... Ça... Par contre là il est 7h, on va se dépêcher là. Monsieur la poste. Attends, j'ai de l'acide. Ça je retire. Ça. C'est marqué. Je déplace. En cours de livraison est censé arriver avant 21h. Rien, rien, rien.
Ça va, 21h, ça te laisse de la marge. Il reste 2 heures, gros maximum. Moi, c'est. Je crois que c'est juste. Moi, si c'est là. Si j'étais en ville et que je faisais. Et que je pouvais faire cette livraison-là comme toi, ce serait ouais. Le jour même avant 20h. Ah non, non, c'est. Je crois que c'est. Je crois que c'est. D'ici 21h. Ouais, moi, c'est maximum 20h chez moi. Parce que au-delà, je crois que c'est par rapport à la loi, ils sont pas autorisés en gros à livrer des trucs chez les gens. Wow. Je trouve ça un peu con. Un peu? Attends, tu gardes que 2 armes toi? T'inquiète! Ouais. Toi qui vois, hein. Moi je suis un malade, c'est une calice. Voilà, je crois que c'est une phase où on n'aura pas besoin de nos armes de toute façon. Tu as dit voilà? Voilà. Voilà. Nique sa mère. Oh, parle pas mal des mamans. Oups. Désolé. On a de la visite, mais laissez-moi me faire ma cigarette, bande de coteaux. Même pas le temps de se rouler une clope. Ah si, du coup, c'est avec nos armes, en fait. C'est après que c'est pas avec nos armes. Putain, mais ils veulent pas mourir. Oh, cette tête. Tu l'as mis, mec. Qui a dit non, non, non. Voilà, baril rouge, toujours une valeur sûre. Ah oh. J'ai pas besoin de tirer en fait. Ah oui, putain, il y a les merdes volantes ici. Mon Dieu. Mon Dieu Seigneur. C'est bon. J'ai dit crève le plagasse de merde, là, putain. Là, c'est bon. Il faut, faut qu'on refasse le tour. Ah, il y a encore un truc ici à prendre par contre. Allez, sans dehors. Parce que t'es pas assez riche ou t'es. Connard. Je blague. Genre le mec. C'est une blague, je t'aime. Le respect. Amour, fraternité. C'est ça que les valeurs que Dieu m'a inculquées. Là, je suis pas croyant. Ah, il va falloir se baisser. Hop, voilà. Je me suis baisé. Jean-Claude Van Damme. Ah, par contre, les balles, moi, c'est la situation une critique, alors on va passer avec le cachet. C'est très précaire en ce moment, là. Ok, sera. Hein? On s'est fait one shot? Votre partenaire est morte. Ta faute, connard. Ben non, mais je sais pas, ouais, j'ai eu l'affichage comme quoi on passait en mourant, mais ça m'a pas relevé en fait. On est morts tous les deux en même temps. Oui, c'est complètement stupide. Oh, alors, elle est jeu, il y a de la merde. Hein.
Toi, tu t'es pas baissé. Non. J'ai eu chaud sur celui-là, par contre. Le mec, il m'a heal. Je t'ai heal, j'ai à peine eu le temps. J'ai commencé à me baisser, qu'on était déjà, j'étais déjà au travers du machin, en fait. Ah oui, le coup critique, Robert. C'est lui qui nous avait tué, c'est le fils de pute, là. On va encore mourir. Va vers l'arrière. Sale connard. C'est toi qui as du heal, après. Merci. De rien, Robert. Ah merde, j'aurais peut-être dû te laisser des balles par contre. Là là là. Plus 15, allez. Non, c'est des balles de quoi ça? Ah, fusil. Oh là. Oh là. Ah, mais il y a mon père, il me tire dessus. Ah mais putain, j'ai commencé à lui tirer dessus avant même qu'il soit vers moi. On peut même pas se baisser, mec. Ah, on peut se planquer au niveau du mur, par contre. C'est bon, j'en ai tué un. Robert, je suis au niveau de la passerelle. Ça va, tu vas mourir. Bah là ça va être short hein. Ouais, tu vas pas avoir le temps. J'ai même pas compris d'où ça m'a tiré dessus encore. Mais juste du coup ça me sert à rien de... Hop. Voilà. Ça sert à rien de garder le lance-grenade avec une seule grenade dedans. Get down. Fils de pute, non, non, non. Vers l'arrière, l'arrière. Mais en plus, le truc, il est même pas sur le bateau. Il est en dessous du bateau. Ouais, c'est pour ça qu'on meurt depuis tantôt, mec. Bah mais ça devrait pas nous toucher, ça tombe dans l'eau. Bon, je refais pareil, je m'occupe des deux gus à la mitrailleuse. Je les ai eu. Les deux? Ouais ouais, j'ai eu les deux normalement. Parfait. Ah, je suis vide. Ah ouais. Merde. Putain, ils sont chiants les mecs qui nous touchent mais hors map en fait. Merde.
Ah oui, merde, c'est en dessous. Et si on doit pas l'activer tous les deux en même temps, c'est pas drôle. Par contre, je vais aller en haut, parce qu'il me semble qu'il y a des trucs dans la baraque. Ah voilà, un petit trésor. Là, voilà. Putain, elle est chiante cette phase. J'ai du aim quand même. Ah, les gros muscles, c'est utile. Hein. Yamete kudasai. Tentacule. Que ce soit dans leur jeu ou dans leur manga, hein, ils ont un truc avec les tentacules, les Japonais, quand même. Du coup, chacun d'un côté à la mitrailleuse.
putain de merde. Ouais, mais les esquives, elles sont chiantes à passer. De toute façon. Attends, il est où? De l'autre côté. Ouais. Bah, à gauche, en fait. Derrière. Hein? Ah. Non, t'es où? Voilà. Tentacule. Plus ce boss, c'est juste un sac à PV, quoi. Sérieux. Putain. Mais j'ai appuyé! Moi aussi. Attention, tu dois briser les membres. Ouais, ouais. Ouais. En fait, c'est qu'il faut relâcher le truc pour être sur les armes, là. Pour que l'esquive, elle passe. Bien, on a réussi. Nice. Vu que je me posais la question, c'est quand ta prochaine compète, toi, au fait? Mon équipe, un de mes coéquipiers est parti aujourd'hui, alors je vais me trouver une nouvelle équipe. Ah, du coup, l'équipe, elle a été dissoute? Ouais. Ah, merde. Pas vraiment cool, ça. Non, mais c'est pas... Enfin, même si tu... Ouais, même si tu m'avais dit que tu comptais partir... Pas plus grave que ça. J'ai regardé vite fait le stream ESA Rocket League tout à l'heure là. Ouais. Vu que c'était Amérique du Nord. Et j'ai regardé un match, j'ai rien compris.
Tant que ça. Bah non, mais c'est vrai, les mecs ils sautent tout le temps dans tous les sens. Qu'est-ce que tu veux comprendre pour un mec comme moi? Putain, mais cette précision. Ouais, il faudrait que tantôt, quand je vais faire, j'irai faire une partie, je te ferai un partage pour que tu vois comment je joue. Vraiment de ma, avec ma vision et tout. Mais je vois à peu près comment tu joues, de toute façon. Je te vois pendant les matchs quand on les fait ensemble. Ah, j'ai une précision de merde. Hein. Oh, mais putain, cette précision, moi j'en reviens pas. Putain, on a pas fini le chapitre 3 du coup 3-3, on a fait là. Donc, normalement, 6, c'est la fin du chapitre. Parfait. On va vendre des trucs. Faut que je vois si j'ai pas des améliorations qui se débloquent, moi. Je vais aller m'acheter des. Ça. Non. Mais non, parce que, en fait, vu que j'ai tout qui est amélioré à fond pour le moment, avec la thune que j'avais ramassée, bah, j'ai plus d'amélioration à faire. Hop. Du coup, ce que je vais faire, vu qu'on est entre les chapitres, je vais faire une petite pause. Parfait. Bah enlève le... Ouais voilà, enlève le prêt. Ça va foutre le bordel sinon. Du coup je reviens vite fait. À tout de suite. À plus plus. Hop là. Bon, t'as la télécom, il se bouge pas le cul. Pourquoi? C'est toujours pas arrivé. Je te dis, hein, si ça arrive pas aujourd'hui, ça arrivera demain. Oui, mais je le voulais ce soir. By the way, est-ce que tu utilises. Est-ce que tu utilises Ecosia? Ecosia, pardon. C'est quoi ça? C'est comme Google, c'est, mais ça utilise Bing. Et à chaque recherche que tu fais, il y a des petites annonces en dessous de, tes, en dessous de la recherche qui, bah en fait, qui sert à presque à rien, tu ne les vois pas. Mais ces annonces-là, ils font que ça donne de l'argent à une association caritative qui plante des arbres à travers le monde. Ah, bah moi, du coup, je fais pas ça par rapport aux trucs de recherche, mais je vais commander des trucs sur Displate. Et Display, ils font la même chose. À chaque commande que tu fais, c'est un arbre planté. Ok, non, moi, à chaque fois que je fais 45 recherches,
il plante un arbre. Ok, c'est cool. Donc là, on est rendu à 85 millions, là. Alors, ce que je t'ai en train de regarder... Non, pas le remap. Split screen, non. Parce qu'il y a moi... Attends. Il y a moyen de réactiver le splitter sur PC. Ah bon? Je croyais que les devs l'avaient totalement bloqué. Il me semblait qu'il y avait, il y avait un mode qui permettait d'augmenter le FOV du jeu. Non, ils ont dû le retirer, le mode que je pensais. Par contre, tiens, quand j'ai cherché ta game juste avant que tu me réinvites tout à l'heure, c'était normal que je la voyais pas, du coup. Ah bon ? Parce que ça le dit, là, sur le PC Gaming Wiki, il y a un lock au niveau des régions. En fait, si je vais à chercher une game manuellement, je trouverai que les games qui sont en Europe. Ah. C'est complètement con. J'ai envie de dire. Ouais, faudrait que je pense à installer un ou deux mods pour réparer un peu certains trucs sur le jeu. Oui, du coup, désolé. Je veux dire, ma blonde elle va m'acheter pour ma fête une Game Boy Advance avec avec un écran rétroéclairé. Ah, du coup, déjà prête ou à monter toi-même? Je l'ai déjà monté la mienne, ça fait de la merde, alors je l'ai remis dans mon ancien truc et alors elle va m'en faire un manquant d'une déjà fait. Ok. Moi j'hésite, j'ai ma Game Boy Advance moi de toute façon, mais c'est vrai que je pense la modifier. J'ai une question, est-ce que les jeux là qui sont hackés comme... J'ai des ROM hacks de Pokémon... Alors, t'as des cartouches, justement, qui existent, où tu as moyen de mettre une carte SD dedans. Oui, non, je sais, mais ma question, c'est... Parce que là, j'ai des ROM hacks, mais est-ce que je peux mettre, mettons, un jeu de DS dans ma DS et pouvoir me transférer mes jeux de la ROM hack sur mon diamant, admettons? Attends, t'es Pokémon, tu veux dire? Ouais. Je crois pas. Si c'est une ROM hack qui augmente juste la difficulté, c'est possible, parce que ça rajoute pas des Pokémon. Ouais, ok, ouais, je sais, mais si, Pokémon qui sont... si c'est une ROM hack, par exemple, de Emerald, mais qui rajoute tous les Pokémon jusqu'à la dernière génération, tu pourras pas. Tu pourras pas transférer des Pokémon qui sont pas possibles dans cette génération-là. Ouais, c'est sûr, non. C'est... Mais par contre, admettons que j'aime tant, je suis sur Diamant, et que là, je m'en vais voir... Et là, ça me met en même temps, j'aurais une version remarque de Leaf Green. Et j'aurais en même temps Érissandre. En même temps, puis là, j'aurais Érissandre. Puis je pourrais-tu genre la transférer sur Diamant, tu crois? Il me semble que dans Diamant et Perle, t'avais accès au Pokémon de la 2G, mais il te faut normalement le. Le Gold, ouais. Bah, le Pokédex national, quoi. Ok. Mais probablement que tu peux quand même l'échanger à partir de ton. Normalement, si c'est en échange, ouais, c'est possible. Ok, bon, mais regarde, moi, il faut que j'aille aux toilettes. Fait que ça se peut que je vais m'absenter pendant un petit moment. Ah, tu veux qu'on arrête là, du coup? On aura fait fait un chapitre entier, c'est déjà pas mal. Ouais, au pire, on recommencera plus tard. J'sais ouais, pas, bah si tu... Bientôt, là. Non, moi, je me suis levé tard aujourd'hui, donc tu me fais signe si t'es encore dans les parages. Voilà, je risque d'aller aux toilettes vite et je risque de faire mes trucs et je vais attendre aussi que ça arrive, mon shit, là. Bah, du coup, tu restes en vocal. Ouais, je vais revenir après avoir fait mes trucs, je reviens. Ça marche. Be right back. Alors, Hop. Mettre un peu de musique de fond au pire.
Je vais dupliquer mon onglet.